Et bonjour à tous, rebonjour à tous, nous sommes de retour sur FTL, Faster Than Light. Nous avons débloqué le Kestrel type B tout à l'heure, donc nous allons partir et essayer d'atteindre le secteur 8 avec. Et une fois qu'on aura atteint le secteur 8, on aura débloqué le type C. Donc pour le moment, on verra ce qu'on fera, mais bon. Mais pour le moment, on va faire ça. Des fautes dans les noms que je donne moi-même à chaque fois, on va pas faire. Donc on est parti. Donc celui-là il a quatre fois la même arme, donc c'est très pratique. Elles tirent tous en même temps. Le défaut c'est quand on veut changer d'arme, quoi. Et c'est parti. Et une boutique directe, c'est rigolo. Tac, et redescendre. Je sais pas si ça sera possible. On va peut-être tenter ça. Je sais pas si ça sera possible. Faire un tac-tac et redescendre. Saut inutile, super. Okay. Un membre d'équipage, ça c'est un bon départ. Ils n'ont pas réussi la quête tout à l'heure en dans les portes. Ministre. Des sauts, il n'y a rien, c'est super pénible. Arrivez-vous à mourir? Nous qu'ils ont, c'est un seul coup. Et nous, c'est quatre coups, donc va peut-être attendre que il monte au bouclier. Je suis pas sûr, parce que lui, au bouclier, ça m'emmerde. Essaim incendié, rayon glaive. Rien qui me tente, quoi. J'arrive à vendre, bien sûr. Téléporteur, contrôle de drone. Vaut mieux continuer de farm. Se fasse pour mener l'enquête. Réparer notre coque alors qu'elle n'est pas abîmée. D'abord, ceci était un piège.
Ça, les gars, pointez-vous dans l'infirmerie, ça me va très bien. Voilà. Encore un saut qui ne sert à rien. Il faut quand même qu'on aille à la boutique un moment ou un autre. Donc, on va faire un petit saut en décalé. On le fume. Tellement fort d'avoir quatre armes en vrai. Qui sont synchronisées. Oh. Que de la boutique de mer. Je cherche rapide. Gardien de secours. Des drones. Un petit tour. Ah merde, le soleil. Il est mort, le soleil. Et ça fait bien chier cette histoire. Tac. Une station en orbite autour d'une planète à proximité vous contacte. Capitaine, nous sommes l'équipage de Terraformation C12 de la Fédération. Vous auriez un peu de temps à nous consacrer. Proposez de les aider. Aller habiter, non. Mais nos capteurs ne sont pas suffisamment
puissant pour analyser ces données. Planning à respecter, vous croyez que vous pouvez nous aider? Scanner intégralement la planète sans découvrir la moindre forme de vie, les équipes de connaissance et s'apprêtent à se remettre au travail. Les scientifiques de la station se proposent de vous remercier en améliorant votre système d'alimentation d'oxygène. Durant mon système d'alimentation d'oxygène, il n'y a pas de problème. Le point dedans. Si on va là, il arrivera là et il proposera d'aller là au prochain saut. Donc, autant aller à la sortie. Tu attaquer le vaisseau automatisé pour pouvoir accéder à la cage de matériel militaire. Oh là là, mais c'est pas possible ça. Cinq missiles, ouais, c'est de la merde. Du coup, achète un truc de plus et on achète un truc de plus. Voilà. Ah non, on n'a pas là assez. Galère à moi comme ça. Sous contrôle rocailleux, sous contrôle mantis. Le chemin il a l'air plus safe. Après le contrôle rocailleux. Oh putain, c'est pas possible ça. Attaquer cette pourriture d'esclavagiste. Galère à faire un, deux, trois, quatre. Merde, j'ai accepté leur édition sans presse. Pourquoi je le fasse au clavier parce que n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Je prends le caisson de stase comme la dernière fois et je vais me le trimballer. J'ai jamais réussi à finir la quête. Chez les morts, voilà. C'est ce que je craignais. Ah, mais j'ai oublié de nommer Allison. Pilote, pourquoi pas. Le ticket est là, mais on n'a que 17. Trouver un peu de thunes, ça serait pas mal. Par une autre côte. Et on n'a plus de gasoil.
Que de la merde, hein. Bien d'accord, que de la merde. Vendre le missile S1. Mais on va pas trouver d'armes intéressantes qui nous intéresseraient, nous, bien sûr. Sans doute des armes très bien. Faut savoir les jouer. Okay. Faire à l'ancienne. Tac, tac. Pas jouer avec le clavier parce que des fois je vais trop vite et voilà. Tranquille. Les ratés, merveilleux. Continuons par l'autre côté. Non, je veux pas de truc. J'ai besoin d'essence. Je garde mon essence. Si je vais tourner, il se retrouve là et après il passera à... Donc on va pas grid, on va simplement. Cible. Contrôle pirate. Le pirate, on va aller de ce côté-là parce que peut-être on pourra tomber sur le monde natal des rocailleux et peut-être finir notre quête. Ah, c'est pas ouf, hein. Mais ça fait deux trucs. Tac, tac, tac. Ouais, c'est juste un truc qui est pas ouf. On va. Merci du haut, donner encore plus de choix. Ça devrait être bon. Et on est en galère de carburant. Salut Melvi, ça va? Passez une bonne après-midi. Je vais mourir. Non, touche quand même. Et bam, 4 tirs, au revoir. Voilà. Notre esquive. Un peu intense. C'était quoi comme cours aujourd'hui? Ouais, on va passer par en bas. En bas, c'est un mauvais planchant. Un module de la semaine sur la physiopathologie. Physiopathologie. Physio, ça veut dire quoi déjà? Les physiopathologies, je sais pas ce que c'est. Psycho, c'est la tête. Il est esprit. Physio, c'est quand c'est physiologique, c'est le corps. Ouais, je sais plus. J'ai oublié. J'ai pas de missile, mec. Arrêtez de me demander de missile. Du corps humain. Pardon, je... Ah oui, d'accord. Oui, donc c'est le physio. Physio, c'est le corps. Bon, ça marche. Et les maladies. Ah oui, donc genre le système nerveux, la sclérose en plaques.
et autres joyeusetés. Ah non, je tue les esclaves, moi, enfin les esclavagistes. Les esclaves, non, c'est que d'en haut, je les tue, les esclaves. Parce qu'ils m'attaquent, mais sinon. Hop là, tac. 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 Et tac. Ah, ça doit être intéressant. Intense, mais intéressant. Ah, il m'a touché! Ah, mais ils ont un lance-missile, j'ai même pas fait gaffe. Oh. Faut que je change. Le focus. Faut que je change de focus. Ah, ben voilà, Tony Bagnard. Non? T'es sérieux? Ça m'a quand même touché! Là, c'était le cœur aujourd'hui avec les arrêts, les hypertensions. Ah oui. Le cœur. Le cœur ne sert pas à aimer, ça sert à pomper le sang. Ah ok. Alors. R2. Tac. On fait ça. On enregistre, comme quoi on était bien là. Pa, 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 pa. Tu fais quoi ce soir? Tu vas aller à un cara ou... Je ne sais pas s'il y a un cara ce soir. Il n'y a pas de cara qui se finisse. Notre cara, il n'a pas prévu ce soir. Pour aller tuer pleine nuit. Ah ouais, super. Effectivement. Effectivement, c'est compliqué. Quoi lit ton compte? Oh non, j'ai plus de carte. Oh, j'ai pas fait gaffe. Allez, comment tomber dans une embuscade? Ah! Un petit vaisseau arrive et vous recevez aussitôt un message de sa part. Le vaisseau automatisé peut vous vendre du carburant en cas de transaction finalisée. Surplus de carburant uniquement disponible en cas d'urgence. Demandez du carburant en précisant qu'il s'agit d'une urgence. Achetez 5 unités de carburant pour bien peser ferraille. Demandez du carburant en précisant qu'il s'agit d'une urgence. Ça m'évite de payer, on va voir. Ah bah oui, parfait. Merci, petit robot de l'espace. Ah, ça c'est parfait, on fait affaire, oui. Tu veux prendre du carburant, moi je veux. Et on tombe sur l'ennemi. Ça va pas être pratique. Du coup, focus. Ça et ça pour éviter de se prendre un coup de missile. Alors, quand même se prendre un coup de missile, je sens. Putain, je suis pauvre là, j'ai aucune ressource. Bien, un missile en plein. J'en prends plein bien cher. Aïe aïe aïe, je me prends le missile à chaque fois, c'est horrible. Et en plus, il essaye de fuir, cette espèce de bras cassé là. Pas de reddition possible, non? Voilà. Pas de quartier, pas de pitié, comme on dit. Une bonne vieille relecture de cours.
Ça fait beaucoup de pages, le cœur humain. Je ne me rends pas bien compte à quel point tes cours sont précis. Le cœur humain, j'ai dit le corps humain encore? Ouais, le corps humain, bien sûr. Du coup, ouvrir la carte stellaire pour choisir les coordonnées de votre sou. Ça, je sais. J'ai rien oublié. On a un peu de thune. On va se prendre un truc de plus. Et on va se mettre une protection en plus, là. Comme ça. Ça, on sera un peu plus safe. Il y a une boutique. Est-ce qu'on peut y aller en passant par là? Oui. Est-ce qu'on peut y aller en passant par là? Non. Donc, allons vers l'arrière. On a aussi un bouquin écrit par le prof qui fait 200 pages. Ouais, ça va, c'est propre. Ça fait de la lecture. Effectivement, ça fait de la lecture. Alors, tac. Tac. Donc lui, il pourra pas m'atteindre normalement, vu l'armement qu'il a. Donc, on va juste le fumer en fait. En espérant qu'on ait un petit peu de thunes. Une grande puissance de feu, donc ça va. Un peu de carburant. Non, la foi, le carburant. On passe par là. On va aller à la boutique en espérant qu'il y ait des trucs intéressants à la boutique. Tac, du coup. Paf. Paf. Et on va fumer ses armes parce qu'il a des missiles et il va me toucher avec les missiles. Donc, il faut se débarrasser de lui. Missile m'a touché, bien sûr. Un plaisir. Et il est mort. Bombe perforante MK2. Les réfugiés vous remercient de votre aide en signe de bonne volonté et après avoir vu comment vous vous êtes débarrassé du sous ennemi, ils vous offrent quelques provisions. Cool. Donc on a 110. Là, on va pouvoir acheter des trucs à la boutique. Bien sûr, on va encore tomber sur une boutique de merde où il n'y a rien dedans, mais. Ah, c'est une autre histoire. Alors, il envoie du piratage. Il a quoi comme. Normalement, il ne touche pas. Je ne sais pas c'est quoi comme truc, mais normalement, il ne devrait pas me toucher avec ses merdes. Donc, on va pas attaquer le. L'armement. On va le finir. Bon, il attaque le. Je disais, il peut pas me toucher. Voilà. Missile perforateur. Hop là. Donc là, j'ai beaucoup de sous. Espérons que ça soit une vraie boutique intéressante. Boutique de merde encore. Laser rafale 1, 11 secondes, 2 tirs, c'est la grosse différence avec les autres. Combien? 10 secondes, 1 tir. 11 secondes, 2 tirs.
pour être plus intéressant. Est-ce que je grid? Est-ce que je continue à me dire je garde mes thunes plutôt qu'acheter un laser avec éclaté au sol? On verra ce qu'il y a plus tard. On va vendre les trucs là, perforant, machin. Ouais, je ne sais pas encore. Je vais peut-être l'acheter le Rafale 1, mais sans l'utiliser. En prévision, on verra. Et on se barre de là. La bataille s'est déroulée dans ce secteur. La station pour pouvoir l'inspecter. Intrus à bord. Désolé les gars, les portes sont ouvertes. Du coup, oh, il a un flak. Ça craint. Ils appellent ça, putain, j'ai oublié. En français, c'est DCA. La DCA. Ah. On ferme toutes les portes. On ramasse ça. Toi, Jean-Michel et Jean-Patrick, vous allez vous soigner. Vous allez voir plus quand même. Toujours des petits problèmes d'armement, mais on va trouver une solution. On a quelques thunes. Ah, tu l'as. Du coup, on est parti. Secteur abandonné, parce que j'ai toujours le truc de la quête là. Oui, le caisson de stase, j'ai toujours. Donc, si je veux réussir à faire la quête, il faut que je trouve un secteur rouge, monde natal des Rockman. Les hommes de pierre. Alors, continuer. Alors, si on va là, on est obligé de se taper un grand tour qui est bien chiant. On va là, on a plus de choix. Plus de choix. Ouais, c'est vraiment de la Cette carte-là est pas top, hein. Ce marchand Lanus semble posséder un traducteur automatique particulièrement performant. Père, vous le comprenez sans mal. Contenu métallique plus que suffisant. Et... Déclinez leur proposition, mais leur dire que leur traducteur vous intéresse. Oui, grande qualité, nous avons en excès. Vous vouloir acheter, achetez leur traducteur pour 40 pièces de ferraille. Vous amarrez votre vaisseau et quelle n'est pas votre surprise quand le Lanus auquel vous avez parlé monte à votre bord. Apparemment, le traducteur que vous venez d'acheter n'est pas un programme, mais un Lanus qui a appris votre langue. Aucun sens. Je ne me rappelais pas de celui-là d'événement. J'ai acheté un mec, en fait, sans faire exprès. Salut. J'aime bien votre traducteur. Ah bah, il vous intéresse? On vous le vend. Une fédération unie. Ah bah j'ai réussi le truc. Par contre, faut pas que je laisse le Lanus là parce que faut qu'il soit tout seul le Lanus. Ah, faut que je te valide le truc.
Bien l'esclavagisme. Tu vois, l'esclavagisme est interdit par Mobot. Là, c'est l'esclavagisme involontaire. Moi, j'ai rien demandé. Enfin, j'ai rien demandé. J'ai demandé si leur traducteur était bien. C'est le quiproquo bizarre, tu vois. Non, mais pourquoi vous me filez un mec? Et bon, les Lanus bouffent l'oxygène autour d'eux, donc il faut les laisser tout seuls dans une salle. Éléphant en bouclier, donc lui va devenir mon guerrier attitré. Pars par là, je pars par là. Je pense que je vais prendre le milieu. Ça visait comme ça. Vos scanners ne détectent pas de vaisseaux ou de colonies à proximité. Il n'y a aucun moyen de savoir si le secteur a toujours été inhabité aussi victime de l'Anus. Il y a une boutique, on a des thunes. Est-ce qu'on peut pas faire un petit tour avant de faire la boutique? Peut être possible. Petit tour pour remonter un peu. Et après, on redescend vers la boutique. Mais il n'y a rien dans ce secteur, c'est la merde. Ah. Camarade de jeu. Ah, par contre, lui, il peut me faire mal là, s'il joue bien. Donc, vu que c'est un bot, il va pas très bien jouer. Je regarde un truc. J'ai réussi à faire celui-là, avoir simultanément 6 extraterrestres de races différentes à bord du croiseur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ah, et 6. Ah oui, ok. Okay, donc les humains sont considérés comme des extraterrestres. Normal. D'accord. Mais c'est faux. Refuser la reddition. Adieu les gars. Non, même pas, ils ont demandé la reddition bien assez tôt là. Continue de descendre vers la boutique. J'espère que cette boutique est la caverne d'Ali Baba où il n'y a que des trucs bien. Situé dans la Dali est située dans un champ de souris. D'accéder rapidement à une exploitation minière, mais la moitié de cette dernière a déjà été désossée. Plusieurs charognards l'anus. Ok. Comme d'hab, on vise les boucliers. Et en deuxième, on vise les armes parce que il a un missile et on risque de prendre cher vu qu'on n'a pas de défense contre les missiles. Non, pas de reddition. Ah, et on va à la boutique. Et qu'est-ce que la boutique nous offre? Quelle est la question? Le contrôle des drones avec un truc d'attaque. Ok, c'est pas top. Il y a un truc de défense dans la boutique. Il n'y a que des armes d'attaque de merde. Oh là là, c'est pas possible. Donc on va prendre le contrôle des drones. On va prendre la défense.
Et on va prendre le récupérateur de drone aussi. Voilà. Voilà, du coup, on a dépensé toute la thune qu'on avait. Bon, dès qu'on a l'occasion. Alors, détresse, puis on ira se balader. Ah, je suis relativement déçu pour ce magasin, encore une fois. Le signal de détresse émis depuis ce système solaire provient d'un vaisseau limace attaqué par les Lanus. Son équipage vous supplie d'intervenir alors que sa coque commence à se déchirer sous l'assaut ennemi. Attaquez le vaisseau Lanus. Ah oui, ils sont équipés niveau attaque. Tac, tac, tac et tac. Et nous, on va se mettre en attaque, en niveau attaque puissante aussi. Tac. Ah. Voilà. On le finit. Impeccable. Contacter les limaces, ça me file de la thune, c'est parfait. Voilà, j'ai tout dépensé comme d'hab. J'ai dépensé sans compter, comme disait l'autre. Du coup, on va refaire un petit tour, hein, en attendant d'aller vers la sortie. Ils comptent détruire que les caméras, donc on va le laisser détruire ces caméras. Normalement, on a de quoi encaisser avec nos deux boucliers. Temps de péter les caméras, quand même. D'ailleurs, le Lanus, je vais pas donner de nom, il s'appelle Traducteur. Je sais plus comment je les appelais les Lanus, j'ai oublié. Il faut lui donner un nom. Je vais faire ça, mais je sais plus comment. Normalement, je donne un nom par race, mais et l'anus, je me rappelle plus comment quel nom je leur donnais. Eux, c'est des noms de pierre généralement, c'est facile. Lui, c'est des noms de droïdes, voilà. Lui, c'est des noms de mantes religieuses. Eux, c'est des noms en rapport avec l'énergie. Mais les Lanus, ils ne respirent pas. Ils ne respirent pas d'oxygène en tout cas. J'avais trouvé un nom à la con, mais je ne m'en rappelle plus. Comment puis-je les appeler? Je me pose la question. Les noms de bactéries, le problème c'est que les noms de bactéries. On connaît pas. Ils ont pas besoin d'oxygène pour respirer. Alors. Bactéries, normalement, ça survit. Ça survit pas en absence d'oxygène. Y en a sans doute qui survivent, je sais pas. Ah ouais, comment elle s'appelle? Parce que je sais pas le nom des bactéries de la gangrène. Ah ben voilà. Faut trouver un nom. C'est pas trop intelligent non plus.
Je sache écrire. Ah, j'avais trouvé des noms, hein, mais faudrait que je regarde mes propres vidéos sur quand j'ai fait les vaisseaux d'anus. Clostridium. Ah ouais, ben voilà. Ça, c'est pas un nom que je vais retenir non plus. Hein. Clostridium. Ok. Clostri pour les intimes. Espèce de traducteur, un nom de bactérie qui respire pas. Ça risque d'être compliqué. Il a pas une vie facile, ce Solanus. On dirait que la baisse de détresse du vaisseau Mantis qui fonctionne mal, sans doute que cause du vaisseau Solanus. Le pauvre. Ah oui, ben là. Peut-être que lui, c'est normal pour son peuple que tes amis te vendent à un bon prix. Pour eux, c'est peut-être leur forme de travail. Pour eux, peut-être que le concept d'esclavagisme n'existe pas. Peut-être que c'est uniquement chez les humains. Faut pas savoir ça. Par contre, il aurait peut-être fallu qu'il régène. Ah, oh. Va infirmerie, toi. Mantis me donne des thunes, c'est sympa de leur part. Ça se propage. Faut pas que ça se propage. Ah, le feu s'éteint plus vite comme ça. Lui aussi, on va le mettre là-bas. Se reposer. Ah ouais, mais faut pas qu'il passe par là à chaque fois. Ah putain, c'est pas possible ça. Même là, quand t'as des Lanus qui te bouffent l'oxygène du vaisseau. D'ailleurs, je peux ouvrir les portes directement. Il est pas sujet aux vis spatiales, le pauvre. Du coup, voilà, reparti. Là, il y a une boutique tout en haut. Pour redescendre, ça va être l'enfer si je fais ça. Mais si c'était la fameuse boutique qui était super. Bon, ne faites pas ça chez vous. Au secours. Et on se retrouve largué dans la vie. Après, meilleure vie. Ça n'arrive pas parce que je l'ai déjà fait avec plein de vaisseaux soleil. Oh non, mais sérieux. Je comptais sur un vaisseau exceptionnel et un truc bien, mais non, c'est que de la merde. C'est que de la merde, mais vraiment de la merde en barquette. En plus, je vais me prendre la zone. Faire attaquer par les gus, ça va être super. Ça parce que j'ai voulu aller voir si ce n'était pas une boutique de merde, mais malheureusement c'était encore une fois une boutique de merde. J'en ai marre.
Là est trop trop compliqué. Puissance unique. Allez. Pas de reddition, les gars. Désolé, je suis pas d'humeur. Il arrive à éteindre le feu, lui. Il a réussi. Là, on tombe contre les gus qui sont de toute manière énervés. On sort ça. On vise full défense pendant que le drone fera des dégâts partout. Sélectionne Jean-Michel. Avec Jean-Michel, on est obligé de se taper le tour du vaisseau pour aller à la régène. Allez, on tient le coup. Ça pour survivre. Mon natal des Mantis, secteur abandonné, voilà. Et voilà. On n'est pas tombé sur le secteur qu'on voulait, à moins que ce secteur-là soit le bon. J'arriverai jamais à la faire cette quête. J'ai réussi une fois à la faire à l'époque et là. Ah non, on peut pas passer là si on fait ça. On est obligé de grid là. Là, on est obligé de faire un grand tour. C'est une merde pas possible. Donc on va faire ça, effectivement. Pardon. Les contrôles le Mantis, ça c'est pas bon. Pas de vaisseau de combat. On va utiliser ça. Comment ça éteint la merde niveau armement. Ah non mais c'est un Lanus, je peux pas le noyer dans le vide interspatial intersidéral. L'envoyer dans le vide intersidéral. La fumée. Il a pas pris de dégâts, tout c'est bizarre. Quartz, il est résistant quand même. On repasse par là. Non, sérieux? Est-ce qu'ils me redonnent un traducteur, tu crois? Est-ce qu'ils ont la même culture? Décliner la proposition, mais leur dire que leur traducteur vous intéresse. Acheter leur traducteur pour 40 pièces de ferraille. C'est le même événement. Alors, est-ce que c'est la même, c'est le même qu'ils me donnent? Ils me donnent un deuxième Lanus qui s'appelle traducteur. Après, tu les proposes à d'autres vaisseaux. Ben non, je les garde, ça me fait des membres d'équipage. Puis les Lanus, ils sont super bien vu qu'ils bouffent
Ils n'ont pas besoin d'air pour respirer. Quand tu arrives en fin de partie, tu es dans la merde, tu n'as plus d'oxygène, ben, il reste que eux dans le vaisseau, quoi. Le problème, c'est que là, je risque d'avoir un problème parce qu'il est bon pour se battre. J'aurais bien fait se battre avec le Mantis, mais le problème, c'est que le Mantis, lui, il a besoin d'air pour vivre. Hein. Alors, il me faut un autre nom de bactérie, du coup. On va le mettre dans les portes. On va mettre lui au combat parce que les rocs, ils sont très résistants. On va le mettre dans les portes. Enregistrer la position. Et. Du coup, notre nom, commerce, grand traducteur Lannis, pas cher. Clostridium, comment as-tu cherché? Les bactéries, je connais pas vraiment, je me rappelle pas. On est connu personnellement à une époque. Il y a le botulisme. Ah ouais, mais bon. Un truc qui finit en ium, c'est pas mal. Le stridium. Bon, il y a le sodium, mais bon, c'est pas pareil. Oui, j'aurais pu. Mais comme ça, tu as sodium. Et je sais plus ce que j'avais décidé pour les Lanus. Et je regarde une vidéo, je joue Lanus. Non, pas si. Non. Non, non. Je ne sais plus du tout ce que j'avais trouvé. Attends. Y a moyen que je fasse une recherche rapide? Sans le. On va voir. Espérant que les vidéos se lancent pas direct parce que. Des fois sur ma chaîne, ça déconne. Bonjour. Ah bah oui, je se lance direct ce con de vidéo. Voir ma voix en double. Bonjour le cauchemar, quoi. Alors, chercher dans vidéo, hein. Chercher. Venus. Alors, comment je les ai appelés? Ah ouais, j'avais trouvé des noms très simples. Il s'appelait R Oxy et Gène. Ah, comme quoi, tu vois. Les choses les plus simples. Les meilleures. Solutions les plus saines. Du coup, attends, je vais directement à la boutique. C'est plus simple que les bactéries. Encore! Regarde celui-là, il s'appelle Norwin Schultz.
Ah, je rachète pas, j'ai plus de place dans l'équipage. Ah non, mais putain, il n'y a que des armes de merde, j'en ai marre. Oui, de diversion, sans fou. Allez, une autre boutique. Par pitié, des armes potables. Mais non, arrêtez de me filer des armes de merde. C'est pas des armes de merde, c'est des armes que j'aime pas. Dégâts à la chaîne max. Attends, chaîne ionique. Les dégâts ioniques de l'arme augmentent à chaque tir. 4 de dégâts max. Ah ouais, d'accord. Je connaissais pas celle-là. Enfin, je prends jamais les trucs ioniques. Donc... Instincteur automatique. Scanner d'énergie vitale, non merci. Réplicateur explosif. Il y a le camouflage, mais je peux pas l'acheter malheureusement. Putain, mais c'est vraiment triste. Hein. Plus que triste, ça afflige en même, je dirais. Ces boutiques en carton, quoi. Je vais arriver sur le dernier boss, je vais pas avoir d'armes, je vais rien avoir du tout, quoi. Un vaisseau scientifique de la Fédération est amarré avec plusieurs vaisseaux Lanus. Vous le contactez afin de lui demander ce qui se passe. Bonjour, nous tentons de mieux comprendre nos visiteurs, les Lanus. Mais nous avons bien du mal à déchiffrer leur langage. Ah non, le dernier boss, il va me défoncer. Hein, parce que le dernier boss, c'est toujours le même. Hein. Le vaisseau amiral des rebelles, et ils sont pas là pour plaisanter. Et surtout qu'ils n'aiment pas les autres races, c'est des suprémacistes humains. Donc, ah, tu te pointes avec de l'anus dans ton... De l'anis dans ton vaisseau, deux rocs et un Zoltan et un Zoltan et un. Ah merde! Un Mantis et je sais plus quoi. Généralement, il t'accueille pas très bien. Votre Lanus a modifié l'ordinateur du vaisseau afin qu'il s'améliore peu à peu au fil du temps. Les données recueillies suite à vos interactions et Lanus pourraient. Ça verrait très utile pour ces chercheurs. Je leur continue. Les chercheurs remercient. Ben, ils pourraient me filer des armes. Enfin, scanner d'énergie vitale, je m'en fous un peu, quoi. Bon, ben, il n'y a rien. Donc, on va grid. Hein, on va faire le tour. Gagner de la thune. Un truc à bord, super. Ah, ben, les gars, en plus, vous allez directement dans l'antre du Lanus. Du coup, il va aller se reposer tranquillement à côté. Il va vous laisser vous démerder avec les portes. De passer la porte. Vas-y, passe la porte. Alors, je vais t'envoyer un anus pour te distraire un peu. Voilà. Donc, Jean-Patrick, tu es obligé de te taper le tour, parce que de toute façon, la porte n'est pas réparée. Voilà. L'anus est un peu blessé. On le soigne, et puis on est bon. Mais bon, on est bon. Pas de boutique, y a rien, c'est la misère. Oh, des lance-missiles. On met les défenses en route. Vise les boucliers.
Bien, en ASP. Oula, c'est de plus en plus proche. Ah, mais c'est un ASP allié, d'accord. Il tirait sur l'ennemi. J'avais pas compris. Ça me rassure. Continue par là. On va faire le tour par en bas. Peut télécharger les données du vaisseau. Récupérateur de drone, j'en ai déjà un. Ok. Trouve qu'ils sont HS, parce que je sais pas quoi en foutre. Encore un vaisseau à affronter. Se met en mode combat, ou alors je me. Plus de temps à perdre, on y va à la bourrin. On sort tout ce qu'on a. Verra plus tard comment on fait. Oh, ils ont détruit mon truc. Oh, putain, ils m'ont touché. Les salauds. Pirates. C'est vrai qu'il faudrait que j'augmente les boucliers là. Ça serait le bon moment, comme on dit. Salut, Genzo. Je sais pas comment tu prononces. DJ Enzo. Comment ça se prononce? Ça c'est bon. Merde. Je vais me mettre un bouclier de plus parce que là. Ah, c'est le bordel, sinon, à chaque fois, on peut grid encore. J'espère que dans le prochain, il y aura ce qu'il faut. Alors, là, en théorie, il n'y a pas besoin. Activer la défense. Je vais peut-être prendre un missile, remarque. Ouais, je prends un missile. Et non, je l'ai esquivé. Esquivé. Et là, il n'y a plus de missile, il n'y a plus rien qui part. C'est parfait. C'est parfait. Le vaisseau explose, les cendres derrière lui, les pièces de ferraille. Comme d'hab. Merci. Intrus à bord. Encore une fois. C'est le pire endroit pour se battre. Se battre dans une infirmerie, pourquoi pas? Enfin, pour moi, c'est tranquille, quoi. Alors, une colonie loyaliste, j'interpelle.
offre des provisions, merci. Donc derrière, on a dit qu'on allait par là parce qu'on espère avoir le monde natal des Rockmen pour pouvoir débloquer le vaisseau. Vaisseau cristal, mais bon, ça c'est. Alors, soit je passe par là, soit je passe par là. Le choix possible. On va passer par là. Acheter un esclave et le libérer pour qu'il rejoigne votre équipage. Attention, vous allez devoir renvoyer un homme. Votre équipage est déjà complet. Non, je ne veux pas acheter d'esclaves. Je veux attaquer ces pourritures d'esclavagistes. On m'a déjà vendu des hommes que je voulais pas. Alors. Alors, peut-être y aller mollo, hein, sûr. Qui on vend? Alors, tac, et tac, et tac. Il atterrit où l'autre là? Ah, pas de bol, il atterrit dans la cabine. Désolé, je devrais renvoyer. Je refuse. Et il va mourir, malheureusement pour lui. J'ai plus de place dans l'équipage. Du coup, j'ai tué un esclave de plus. Ah bravo. Ah bravo quoi. Attaquer le vaisseau automatisé pour pouvoir accéder à la station de capteurs. Oh, ils sont automatisés, mais ils sont à la pisse ces vaisseaux. Même pas de bouclier, c'est tranquille. C'est tranquille. Et voilà. Alors, là, une boutique là, deux boutiques là. Donc on remonte vers la boutique là. Après on redescend. C'est quoi ça? C'est un soleil. Ça c'est quoi? Astéroïde. Je préfère les astéroïdes. Là c'est quoi? Tempête ionique. On va se taper la tempête ionique hein, malheureusement, mais. Coupera pas si on va accéder à la. Oh, un truc à bord, t'es sérieux? T'oses me faire ça? Camarade, tu te mets là et puis on va l'accueillir avec nos deux spécialistes du combat. Tout le monde en place. Vraiment chiant, les Rockmen. Ils sont résistants, mais ils rament tellement la nouille. Gars. Attends, je vais. Non, j'ai les boutiques à visiter d'abord. On sera nos thunes après. Voilà. Là, c'est un vrai challenge. Par contre, il m'a enlevé l'oxygène. J'en ai besoin pour vivre, merci. Et du coup, on fera qu'avec ce qu'on a. Donc, du coup, paf, 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 et paf.
Lui, il n'a pas beaucoup d'attaque. Son lance-missile n'est pas sorti, donc il ne fera pas beaucoup de dégâts. Il fera pas de dégâts. S'il a un deux coups. Améthyste, j'ai oublié le régène. Ah, c'est compliqué parce que de toute façon il y a l'autre sur le passage. Refuser la reddition. On a la boutique direct derrière. Là, tant que l'oxygène remonte, régène Jean-Patrick, qui ça va mettre 15 ans pour régène. Ah, c'est toute une logistique là pour qu'il cohabite. Si, il a le temps. Et ça, il a le temps, il y aura encore de l'air. Est-ce qu'il y aura de l'air? Et non, oh là là, l'erreur fatale. Il a encore pris des dégâts. Quel crétin. Tout ça que j'avais parce que j'avais la flemme de faire des manipulations. Mais bravo. Enfin, c'est pas grave. Alors, est-ce que cette boutique vaut le coup? De la merde. Mais il y a le camouflage. Voilà, prends le camouflage, on prend ça. C'est par là, il faut que je passe par les astéroïdes, c'est là les astéroïdes. Je passe par les astéroïdes pour aller aux boutiques. J'aime bien me battre dans les astéroïdes. Sacré lance-missile, Nakila. Du coup, on essaye de le buter. Ah mais j'ai pas assez pour. Je pourrais. Ah non, mais j'ai pas assez pour quoi qu'il en soit. Oh, aïe aïe aïe. Ça va durer 10 ans. Ça durera peut-être pas 10 ans. Ça va durer 10 ans, il va avoir le temps de se soigner, ce con. Si c'est bon, ça passe. Ça passe, ça passe. Ça va, on a une défense pas trop mal, ça va. Il fait que des esquives, c'est exaspérant. Insupportable. Thank you.
On va passer en mode attaque, hein. Voilà, on est en mode attaque, ça va servir. Il avait plus de missiles en plus. Donc je veux faire les astéroïdes, on fait tac tac tac, on remonte comme ça. Ça on le fait pas parce que c'est un soleil, moi j'aime pas le soleil. J'adore le soleil dans la vraie vie, mais là. Soleil dans le jeu, je trouve ça extrêmement désagréable. Ouh, lui va être chiant. Essayer de s'entretuer, ça va être magnifique. Pas besoin de défense ultime, donc full attaque. Et comme d'hab, full bouclier, parce que bah, de toute façon, on est dans un champ d'astéroïdes. Donc, l'astéroïde feront le reste. Au pire. Pas de reddition possible. On n'est pas dans la reddition. Oh là là, raté avec ce drone qui loot tout. C'est parfait. Du coup, on descend pour remonter, donc oui. On va faire celui-là aussi. Merci Melvie, à la prochaine. Bonne soirée, bonjour aux autres. Alors, donc là, il n'y avait rien, bien sûr. Là, les boutiques, est-ce qu'on va trouver des boutiques intéressantes? Ingénieur de vaisseau, petite boutique. Que de la merde en barquette. Non, quoi. Pourra pas dire que j'ai pas essayé. Hein. Je crois que j'ai pas loupé une seule boutique. Est-ce que je prendrais la téléportation? Je sais pas jouer téléportation, à chaque fois c'est un carnage quand je joue téléportation. Regretter. Je vais le regretter. Elle est où la téléportation? Elle est là. C'est parfait. Deux gars. On les met dans téléportation. Saut ici. La fédération. Le vaisseau de la fédération. Alors, tac, 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 tac. De l'autre côté, c'est bon, ils s'en sortent. Le missile va pas tarder à arriver.
de tirer, parce que je crois qu'il n'y a qu'un seul type. Il y a lui, et ils n'ont pas de truc de soin. Donc, les copains, je ne vous oublierai jamais. Il dit, wapidam, pididam, pididou. Ah, si, ils sont revenus. Mais ils vont quand même crever parce qu'ils n'ont pas de vie. Voilà. Contacter les vaisseaux de la Fédération. Voilà. Parfait, je m'en suis bien sorti pour une fois. Que je augmente un peu mes ressources énergétiques. Là, les portes ont été pétées. Bonjour. Ah, du coup, les ressources énergétiques vont augmenter un peu. J'augmente ça aussi si je veux changer l'une des armes. Reste. Par là. Merci beaucoup Rixou pour ton follow, merci. Vous détectez un éclaireur rebelle à l'approchant. Intervenir pour défendre l'avant-poste, oui, comme d'hab. Faut pas que ça passe, mais non, normalement ça devrait aller. Ils ont de quoi se healer. Donc, on vise le bouclier pour les faire chier. On prend les deux Gugus. Chier pilote. Là, les mecs changent. Donc, tac, tac. Ah, j'ai pas encore de quoi le TP. Pas qui crève. Pas qui crève. Il crève, on va être dans la merde. Il crèvera pas. Hop là. C'était chaud là. Sont bien entamés. Le vaisseau, il lui reste 3. Donc, est-ce que je tenterai pas un truc comme tac, 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 et... Ah mais il n'est pas encore up. Donc est-ce qu'ils vont avoir le temps de réparer? Mettre quand même deux coups de laser. Et un coup de laser là. Normalement le vaisseau restera à 1. Tant qu'on fout pas le feu, ils vont pas mourir. Ils sont pas morts. Et j'ai une seconde. Enfin, je sais pas si je vais avoir le temps de retourner en TP. Avant qu'il répare. Tac. J'ai le temps, je pense. Voilà. Et on s'occupe de eux. Ah non, il est pas mort encore. Si, il est mort. Et voilà. Parfait. Nettoyer le vaisseau, c'est parfait. Bon, la TP, je la joue mal, mais pour le moment, j'arrive à m'en sortir, donc ça va. Peut-être en profiter pour l'améliorer un peu. Comme ça, j'aurai peut-être plus de marge. Vraiment l'armement, c'est de la merde.
Mais bon, j'ai pas trouvé de boutique comme il me plaisait. Je les ai RTP au moins. Si on a un meilleur réacteur, vas-y, hein, ça... Oui, je les ai RTP, oui. Je me méfie parce que ça m'arrive une fois sur deux de les oublier sur le vaisseau. Et bah après, ils sont perdus. Pour toujours. Forteresse rebelle. Non, la forteresse rebelle est juste à côté du secteur où on doit aller. Ah, bah, c'est pas mal ça. Encore une fois, je n'aurais pas fait la quête. Parce que je n'ai pas trouvé le secteur des rocailleux. Est-ce que je passe par là ou est-ce que je passe par en haut? Ah, c'est un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac et je peux pas repasser. Donc, bah, ça, la question se pose pas. On va faire ça et puis on va redescendre. Un saut dans musée rebelle. Est immobile à côté d'une station radar avancée. Approchez de la station, gardez vos distances et attendez que votre générateur se recharge. Drone de combat, envoyez un drone pour détourner l'attention du vaisseau autorisé. Non, en fait, ça me dérange pas de le fumer, donc si je fais approcher la station, ouais. On est bien. Tac, tac, tac. Et tac. C'est parti. Juste pas que le drone se barre comme il fait des fois. Ça serait bien. C'est con, ça, je me suis carrément foiré. Plus de dégâts. Ah, j'ai un métis qui a des dégâts, mais c'est des dégâts tout à l'heure. Il y a deux boutiques, alors on va aller à cette boutique et repartir, tant pis. Il faut trouver des bonnes armes. Malheureusement, celui-là, c'est trop lent. J'en ai fait les frais tout à l'heure, c'est beaucoup trop lent. Là, en secondes, c'est 16 secondes et ça diminue, mais le problème c'est que ça reste un. Ah, c'est pas top. Et de l'autre côté. Non plus. Pas ouf, pas ouf. Donc, non, merci, ça va être un non catégorique. Merde, il faut que j'en je répare. Et le reste, ça devrait être bon. J'ai rien à vendre. Je garde le laser rafale 1, mais. Non, si j'en trouve un autre. Passe par là. Éviter de se retrouver dans un guet-apens. Et cette boutique-là. Ah, défense 2. Voilà un truc intéressant. Coup.
Ça, je peux mettre les deux et j'ai une barre de marge. Le problème, c'est niveau puissance. Ouais, niveau puissance, j'ai à peu près ce qu'il faut, mais bon. Ça risque d'être compliqué, on verra. On verra par la suite. Attends, si je remonte par là. Remonter plus comme ça. Je suis quand même obligé d'aller en bas. On va aller en bas du coup. Oh, des astéroïdes. J'aime les astéroïdes. Tac. 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 Et tac. Pour le coup, avoir un téléporteur me sert à rien. S'esquive. Un dans les moteurs pour avoir un peu plus d'esquive. Été long de tomber ses boucliers, une fois que ses boucliers étaient tombés, il est mort. Oui, c'est ça en fait qu'il faudrait que je fasse. Je vais le rajouter. Essayer de couper, voir un peu ce qu'il y a comme. Les interroger sur ce qu'ils sont à même de faire. Station d'oxygène, non merci. Alors, je vais peut-être pouvoir faire ça. Je peux faire ça. Il y a une marge de sécurité comme dire l'autre. Pour défendre l'avant-poste. Ouh, il est vénère lui. On va passer en mode attaque vénère aussi. Tac. Je suis pas sûr là. Peut-être mieux que j'essaye de focaliser le. Là. Problème, c'est ça. Ils vont aller se recharger là-bas. Il va falloir que. Comment ça se fait qu'il a pris des dégâts? J'ai pas tiré sur. Je me suis gouré, j'ai tiré là-dessus.
Bah on va continuer comme ça, on va peut-être les finir par les avoir. Juste toi, on va te faire. Il y en a un gars qui va réparer l'infirmerie. Et ça, c'est pas bien bon, donc on va se mettre dans l'infirmerie. Un gars qui est mal en point. Ah, ils sont tous les deux. Là, du coup, ils ont quoi comme vie? Qu'est-ce qu'ils ont comme vie? Faut que j'aille les fumer pour voir. Oh, il y a le feu! Mauvaise idée d'ailleurs. Il y a le feu. Séparer. Tac, toi, on va te remettre là. Oh, ils sont quasiment. C'est mignon. Ils sont morts. On a tué tout l'équipage là. Par coup de chance. Maintenant que l'équipage du vaisseau est mort, vous pouvez récupérer tout ce que vous pouvez. Voilà, on se fait des couilles en or, quoi. Donc là, on passe là, après on peut passer là et tranquille. Tac. Tac. Et tac. Le petit trou, le moyen de rater. Il s'est fait explosionner lui. Exploser, exploser le pauvre. En même temps, il n'avait pas de. Donc là, je vais là. Le truc d'après. La vague d'après ira moins loin. Ah mince. Vous préparez au combat. J'ai beaucoup moins de défense. Ils veulent plus me laisser la vie. Ouais, bah attends. Préparer au combat. C'est un truc comme ça, donc on enlève ça, on met de l'oxygène. Tac, 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 tac. Espérons que ça tienne. C'est bon, il tire plus, il y a une plaque qui me tourne autour, donc ça devrait aller. Ah, tout est raté. Là. Tout se passe pour le mieux, comme dit l'autre. Là, on est très limite. Autant prendre la sortie. Porter au secours du vaisseau civil, oui. Y a pas.
Donc, il n'y a pas de... Il est ad hoc. L'ignore. On les prend. On va les faire se battre ici. Tac. 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 Et tac. Ah, c'est passé là. Et ça fait chier. Il y a du feu. Finis-le, finis-le. Là, il n'arrivera pas à le finir. Est presque mort. Hein. Bon, on va là. On ferme ça. Leurs armes font bien mal quand même. Essayer de se focus un peu plus sur les armes. Mais le gars, il y a le feu de l'autre côté. On va pas y aller pour l'instant. Et ça, on va arrêter, histoire de pas se faire buter. La mantis. On tâtait le vaisseau, il répare ma coque, il est bien urbain. Et on rappelle nos camarades. Voilà. On fait un tout le monde va à son poste. Et toi, tu vas aller te soigner aussi. Aller là. Je vais enfin soigner mon pilote parce que ça me perturbe de le voir à chaque fois blessé pour rien. Juste parce qu'il est passé à côté d'un Lanus. C'est stressant. Excessivement désagréable. Ah, il est soigné, il retourne en place. Il avance, on achète les deux derniers qui nous manquent. On achète un, là on fait ça aussi. On fait accepter. Voilà, comme ça on aura plus d'esquive. Et on va au secteur suivant qui est le dernier. Et du coup, on a débloqué le type C. Mais je suis pas sûr qu'on puisse gagner contre le dernier boss. Expliquez la teneur de votre mission. Réparation, réparation. Putain, déjà? Je suis obligé de faire un détour. Pardon. Les contacter.
Contacter les sauveteurs, un instant, un F-pirate arrive. C'est des pirates, mais. Ils se sont perdus, les pirates. Et la def. On se prépare à les aborder. Au bon endroit. On va changer un. Alors, tac, 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 et tac. Est-ce qu'il y a un truc pour les soigner? Non, ils ont rien pour se soigner. Donc c'est parfait pour nous. C'est le type. Là, ça y est, on fait. Oula, c'est attention, attention aux Zoltan, on va aller se régénérer. Le Zoltan, dès qu'il va mourir, va exploser et risque de nous emmerder. Jette parce que sinon il risque de mourir. Oula! Énervez-vous. Tac. Et tac. Alors il reste deux membres d'équipage, maintenant Zoltan peut nous péter la gueule, on est tranquille. Du coup. Hop là, ici. On va les avoir assez facilement. De tirer. Voilà. Contacter le sol des réfugiés. Impeccable. Et on les soigne. Désolé. Tac, 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 on est bon. Réparateur. On essaie de trouver une boutique. Des fois, il y a une boutique ici, mais. Toujours pas de boutique. De toute façon, les autres sont trop loin. Ah. Là, c'est une autre comédie. Met la def. On va mettre l'attaque. Oh merde. C'est pas grave, c'est les portes. Les portes ne servent pas à grand-chose. Full def. Enfin, full bouclier. Et notre autre truc va se charger du reste. Thank you.
Il a tellement d'esquives, cette saloperie. Bon, nous aussi, on a beaucoup d'esquives, mais... Ah, message. Et voilà. La mort de chacun. Ces petits couillons. Donc on pourrait aller à la rencontre de Jean-Patrick, mais avant d'aller à la rencontre de Jean-Patrick, si on va à la rencontre de Jean-Patrick, on arrive à le repousser, qui va vers la base, on peut aller à la réparation. Mais avant ça, on va améliorer certains trucs. Ça, on va l'améliorer. On va l'attaquer au maximum, au cas où. Ça pour avoir. Lui pour avoir un tampon en plus. Pareil, lui et lui. Voilà, on a les tampons pour éviter que le machin pète. 1, 2, 3. 2 en combat. Je peux en mettre un là et à la rigueur un là. Truc comme ça. Ok. Donc on est parti. Oh merde, j'avais pas mis pause. Oh, c'est que les portes, ça va. C'est que les portes, mais les portes c'est chiant parce que il faut que je les mette là. Ah mais non, c'est que mon clavier est pété. Bon, on met pause. Mon clavier n'est pas pété, hein. J'ai plus de batterie dans le papier. Donc j'appuie sur pause depuis tout à l'heure et ça marche pas. Ah. Coup dur pour Guillaume comme il y a l'autre. Donc du coup j'ai pris des dégâts là parce que j'ai fait le connard. On appelle ça être con. Et là je mets pause. Voilà. Et j'ai oublié de changer l'arme. Oh là là, tant pis. Ça veut dire que je peux pas gagner le combat là, quasiment. Parce que j'ai oublié de changer d'arme. Je m'y suis pris à l'avance, hein, pourtant. Allez, on détruit cette arme-là, ça devrait aller. Tac. Épée. Ah, il va le toucher quand même, donc. Tac. Pareil. On fume celui-là. Oula. Un truc auquel je m'attendais pas. Le rayon laser m'a touché. Voilà. Épée. Soigner. Casser les portes, hein, c'est pas grave, ça vous occupe.
Tac, on bute lui. Oh, ils sont quasiment morts à chaque fois. On revient. Alors, on les envoie. Parce que quand on bute tous les hommes tout seul, après il y a moins d'hommes qui peuvent te venir te faire chier. Voilà, on a presque eu, donc on va pas se faire chier. Parce que j'ai pas envie d'oublier des hommes dessus comme la dernière fois. Et on le finit. Il n'a pas pu tirer. On va le finir, hein, pas longtemps. Il reste un point de vie, hein. C'est vraiment la galère. Il a récupéré tout. Eh bien. Voilà. Parfait. Va directement vers la base. Moi, je peux aller à réparation. Non, faut pas que j'oublie de. Hop là. Enlever une arme. Voilà. Accepté. J'ai oublié de vendre la défensive. Voilà. Et du coup, on est parti l'affronter. Tac. Ah oui, j'ai une arme de plus, donc. Ça. Et du coup, ils sont où, les copains? Vous, les copains, je ne les oublierai jamais. Et directement dans le lance-missile. Tac, 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 tac. C'est vrai qu'il y a le robot qui vient. C'est pas grave, on va faire avec.
Tac. Ah, je suis dans la merde. Faut revenir, les gars, faut revenir. Faut revenir. Toi, tu vas là-bas. Non, tu peux pas là-bas. Vous deux, vous allez là. Toi, tu vas là. On a pris 2 points de dégâts encore une fois, hein. Ce qui n'est pas beaucoup. Ah, et ouais, on est bien. On est bien là. On a gagné cette partie, sans doute. Il faut attendre. Sont tous à 100 les trucs en plus. Il est pas à 100. Je vais blinder les portes un peu plus pour l'arrivée de l'autre. Mais c'était 35, j'aurais dû y penser avant. Merde, j'ai fait accepter alors j'ai pas. Ouais. Alors on va dire que c'est pas mieux. Hein. Porte soit blindée ou pas, ils vont m'attaquer, mais. On a de quoi leur répondre largement. Tac tac tac. Tout est bon. Saut. Attends, putain, la réparation du fond est toujours là. Saut. Attendre. J'avais oublié cette partie-là, où les mecs allaient se taper dessus. Tac, 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 tac. Copain, je ne vous oublierai jamais. Voilà, tu vas te réparer parce que sinon tu vas crever. Il fait crever. Alors voilà, tac, 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 tac. Ne faites pas notre téléporteur, s'il te plaît. Oh non, la défense a été pétée.
Préparer ça, on n'a rien oublié d'autre. Bon, c'est bon. Ah. Tac, on rentre. Ici. Tac. Ici. Et on rentre. C'est bon, j'ai cliqué, je suis bon. On rentre. Tac. Dossier est couché. Alors toi, tu vas là. 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 Les deux là, vous tapez là, toi tu vas réparer. Il va réparer. Il y a la conque. Tu es en feu dans le bordel. Il est mort de toute façon. Ils partiront rondement mener. Jean-Michel, Amity, stop. Ostrigium. En 1892, vous avez vaincu le vaisseau amiral rebelle et on a débloqué le nouveau vaisseau, le C. Dans les stats, du coup. Du coup. C'est laquelle? Non, ça c'est le Kestrel A. Et un Kestrel, ça va dessus là. En 1860, c'était. Exploit, j'ai débloqué un exploit, je sais plus ce que c'était. Vaincre un vaisseau ennemi avec tout votre équipage à son bord. Débloquer un mode facile. Oui. RIP, atteindre le secteur russe sans perdre un seul homme d'équipage, ça c'est beau.
C'est quoi le dernier que j'ai fait là? Atteindre le secteur 5, atteindre le secteur 8. Ça c'était quoi? Vaincre le vaisseau boss mode en mode normal. Votre propre flotte débloquée. L'agencement de type A pour tous les vaisseaux jouables. Je ne l'ai pas encore. Vaincre 1000 vaisseaux entre toutes les parties. Toutes vos parties. Ah bah j'en suis pas encore là. Atteindre le secteur 8 sans effectuer d'achat à une boutique. Vous pouvez y effectuer des réparations. Ça a l'air trop chaud. Gardez vos améliorations, atteindre le secteur 5 sans améliorer amélioration de système ou du réacteur. Atteindre le secteur 5 sans tirer sur personne, utiliser un drone d'attaque ou vous téléporter. D'accord, en gros, sans être en mode agressif, ça pourrait que je tente un jour de faire cette partie comme ça. Idée d'oxygène d'un vaisseau ennemi hostile non automatisé, il doit lui rester moins de 5% d'oxygène. Ils n'ont rien vu venir. Utilisez l'augmentation d'armes active pour détruire un vaisseau ennemi d'une seule volée et sans qu'il ait le temps de se défendre. Ah. Objectif d'abordage accompli, faire en sorte qu'un seul drone d'abordage tue 4 hommes d'équipage d'un même vaisseau. Statistiquement impossible, ne pas arriver à esquiver 5 tirs de suite en ayant un moteur pleinement alimenté et amélioré. Ça, j'ai jamais eu pleinement amélioré de tout ça. Certains aiment voir les vaisseaux brûler, faire en sorte que tous les emplacements d'un vaisseau ennemi brûlent simultanément. Ouais. Du coup, je sais pas différencier lequel j'ai fait. C'était avec le B. Ah, donc j'ai fait 3892 ouais, avec le B. Le C, j'ai pas encore essayé. J'ai la seule partie. Et Kestrel, j'en ai fait 4. Et j'ai fait une fois le secteur 8. J'ai fait deux victoires avec le vaisseau. Mais je n'ai jamais réussi à débloquer les trucs. Mon meilleur score, c'est avec le Taurus. Ok, on retourne à l'hangar. Du coup, merci d'avoir regardé la VOD jusqu'au bout. Je vous offre un sourire.